Ah bah bravo! Bravo! Moi je voulais passer une petite semaine tranquille, payer mes impôts, ma taxe d'habitation, vendre un poumon. Et qu'est-ce que j'apprends? La Corse va exporter ses déchets en Occitanie. Bon, en fait c'est un accord entre deux entreprises de traitement de déchets. Mais bon, oh, les poubelles chez nous? Non mais oh! Oh les Corses! Je sais pas ce qui me retient de... La trouille, non? Peut-être, oui. On va pas s'embrouiller, ok pour les déchets. Par contre, vous gardez Imouvrini et Jennifer. Toulouse, un bar à sieste va ouvrir à 200 mètres de la gare Matabiau. On est allé interroger des passants pour voir ce qu'ils en pensaient d'un bar à sieste à Toulouse. Ah bah ça, c'est une super nouvelle. C'est ouvert la journée? Un bar à sieste? C'est recommandé. Hein. Bonne nouvelle. Quand j'amènerai mes poubelles à Toulouse, je pourrai faire une sieste avant d'aller me coucher. Dans l'Hérault, un cambrioleur en panne d'essence fait du stop sur la 75. Il se fait prendre en stop, mais par des gendarmes. Champion du monde! C'est peut-être ce qu'on appelle le bleu-bleu car. Ce qui sent en bleu, les gendarmes. T'as compris? Le flunch à les Jean Jaurès à Toulouse, eh ben ça va fermer. Dédicace à tous les étudiants et les romantiques. J'avais cette jeune femme pour qui j'avais un crush. Pour la séduire, je décide de l'emmener au flunch. Pas de surprise, on a flunché. J'aurais peut-être dû aller chez Nike, au moins je l'aurais Nike. Voilà, on a compris. Enfin, Big Flo et Oli vont faire un concert en 2019 au Stadium de Toulouse. La Padoue, moi je les adore. Moi je vais aller faire comme Big Flo, je vais aller au lit. Pardon, les vannes comme ça c'est poubelle verte, hein. Non recyclable. À la semaine prochaine.